Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière joueur. Aujourd'hui de retour en sélection, ça faisait très très longtemps. Et en plus nous sommes de retour pour au moins un trophée. Peut-être mon premier trophée sous les couleurs du Mexique. Donc du coup on affronte la Colombie, l'Argentine il me semble, l'Équateur. Ouais voilà c'est ça, donc l'Argentine ce sera le deuxième match. Donc voilà, on va faire ces trois matchs là. Et puis on verra bien comment cela va se passer, est-ce qu'on va réussir à passer ou pas. Donc, let's go, on est parti. Il y a le, oh putain, le corona, il est partout. Il est partout le corona, il est même dans ma compo. Du coup, let's go, c'est parti face à la Colombie. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Merci, merci énormément à tous ceux qui le font, vraiment, merci. N'hésitez pas également à mettre en 1080p hein, si vous avez une très bonne connexion également. Moi je sais qu'une vidéo YouTube en 1080p ça passe pas forcément tout le temps. Voilà, avec ma connexion c'est juste pas possible. Mais si vous avez une très bonne connexion, n'hésitez pas à mettre en 1080. Donc voilà, pour ceux également qui voudraient savoir quand est-ce que sera le prochain épisode sur PES, avec d'ailleurs mon premier match en Champions League avec Lucas Estrada sous le maillot de l'Atlético Madrid, ça sera après cette vidéo là. Donc voilà. Et moi concernant du coup ma suite de ma carrière avec Diego Mahrez, je vais sûrement continuer avec Dortmund. Sauf que vous n'allez pas me retrouver pour le début de saison. On se retrouvera sûrement pour le mois de décembre par là, quand il y aura le Ballon d'Or etc. Moi j'ai pas mal avancé dans mon coin. Et on se retrouvera du coup pour le mois de décembre. Et on fera un petit bilan de ce que j'ai fait du coup en ce début de nouvelle saison. Allez attention, la première occasion dans cette rencontre. Ah, comme finisseur, vous ah dommage. Oh, quoique, ça va passer. Oh, allez. Il a pas osé. Il a très beau tacle, hein. Il a sûrement. Pourquoi il a pas été? Il a clairement pas osé aller de affronter le gardien là. La passe lobée dans le dos de la non, défense. Non, il est hors jeu. Ok. Alors également aussi, si vous avez pas vu l'épisode précédent, il y a eu des nouvelles chaussures qui ont été. Il est hors jeu. Non. Personne pour l'arrêter. Attention. Bien joué Rodriguez pour le premier but, 1-0. Des nouvelles chaussures ont été rajoutées également, donc je vous invite à aller voir l'épisode précédent si vous voulez voir les nouvelles chaussures qui ont été ajoutées. Allez, ouverture du score, je pensais que ce ballon était hors jeu, mais ça devait être à la limite. Ok, il est pas mal ce ballon. Je sais pas si je vais pouvoir en faire grand chose, et si j'ai tenté la frappe en 2-0, la petite frappe puissante là, qui est bien passée. Quoi, parfois, c'est pas la peine de se poser trop de questions. Il faut s'appliquer, bien sûr, mais quand des frappes comme ça sont cadrées, oh là là, ça fait très mal. On a gagné aussi en puissance de frappe. Hein. J'en avais parlé, je crois. En plus, il y a 2-3. Oh, elle est belle. Elle est belle, cette frappe. Et ben voilà, petit but. On est présent. On va essayer d'honorer ce numéro 10 aussi qu'on porte également en sélection. Carlos Rodriguez. Il y a un coup à jouer là. Tac, contrôle, frappe puissante encore. Oh, bon, je sais pas si c'était cadré ça. Le gardien fait la parade, mais je crois que c'était pas cadré. Hein. Quoique si. Hein. Ok, ce ballon il est bon. Lui tout à l'heure il a fait de la merde. Oh là là, mais alors lui c'est, je sais pas c'est qui, mais il est vraiment pas bon. Hein. Il est vraiment pas bon. Je sais pas ce qu'il est en train de me faire. Hein. Ouais. On est reparti seconde période. Mon pourcentage de frappe cadrée plaît au coach. Ah, c'est bien joué, hein. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Allez, ouais, celle-là tu le mets. Hein. Cette passe. Oh là là. Bon, j'aurais peut-être pas dû lui demander de frapper. Il aurait peut-être fait une petite feinte de frappe ou pas. Le joueur est sur le point de rentrer. Les dernières consignes de l'entraîneur et la petite tape. En tout cas, on ne peut pas le reprocher de ne pas avoir tenté. Ouais, malgré. C'est pas mal ça. Il reste déterminé. C'était bien tenté là de la part du capitaine. Alors, je sais pas s'il y aura Messi avec l'Argentine. Hein. On est en 2024, même si on sait, hein, maintenant les joueurs ils prennent leur retraite un peu plus tard hein, sur ce FIFA.
Je sais pas s'il y a vraiment un gros impact sur ça, mais on peut voir que Ronaldo de toute façon il est toujours là, donc je pense que. C'est bien donné dans l'espace. Enfin quoi que. Ouais, je pense que Messi si il doit être là, hein, puisqu'il est plus jeune que Ronaldo. Après, il peut prendre également sa retraite plutôt que Ronaldo, mais on devrait normalement pouvoir voir Messi du côté de l'Argentine, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Pourquoi l'entraîneur le fait sortir ? Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Messi encore une fois qui a fait le héros là lors du match contre le Bétis. J'ai regardé un petit peu la seconde période. Il est rentré en cours de jeu puisqu'il n'était pas titulaire et il a mis une de ses frappes. D'ailleurs, la connexion Dembélé-Messi était vraiment pas mal dans ce match. Est-ce qu'on va avoir une dernière occasion ? On jouera 2 minutes de temps additionnel. Herrera, c'est pour toi. Boum ! Allez, on va voir le corner. Pour les supporters adverses, du coup. Tout le temps à essayer de tenter ma reprise de volée. Un jour, je vais me blesser à l'épaule hein, à force de faire ça. Choisis la frappe. Oh, il était pas mal aussi là. Et ben voilà, victoire 2-0, on prend 3 points. Du coup, l'Argentine qui a pris donc les 3 points, donc ils sont devant nous, ils ont gagné 4-1 face à l'Équateur. Voilà, voici un petit peu la compo. Pas de Messi, hein. Pas de Messi, peut-être sur le banc, je ne sais pas. Donc oui, d'ailleurs, dans l'épisode précédent, j'avais dit il y a un bug de compo quand vous faites un retour et vous relancez le match. En fait, pas du tout. Pas du tout, ça a été une grosse erreur de ma part, puisque comme vous pouvez le voir en haut à droite, en dessous le 4-3-3 à plat, c'est marqué composition probable. Donc c'est pas la composition officielle. Et c'est vrai que j'ai jamais fait trop attention. Donc évidemment, c'est pas forcément la composition qui va être réellement en jeu. Voilà, il faudra vraiment voir la compo quand on va lancer le match. Mais du coup, il n'y a pas de Messi. Par contre, Dybala là en défense, c'est quoi le délire? C'est quoi ça, Dybala en défense? Bon après moi je veux bien au pire, hein, je veux bien, hein, mais c'est un petit peu n'importe quoi. Et voilà, comme vous pouvez le voir, la composition ne s'affiche pas. Ce bug existe depuis je sais pas combien de temps. Ouais, bon. On fait avec. Let's go. J'aurais bien voulu voir si... De toute façon, ils nous auraient pas forcément affiché les joueurs sur le banc, je crois. Oula, j'ai failli perdre ce ballon. Ouais, j'ai perdu ce ballon même. J'ai perdu ce ballon. Attention à pas faire d'erreur dès le début là. Ça va peut-être nous payer cash. Attention. Ok. Récupération et peut-être une action dangereuse. Oh là là, ils récupèrent. Ils nous mettent un gros coup de pression d'entrée. Ils nous mettent un gros coup de pression d'entrée. Oui, c'est lui. Clairement, il est pour lui. Oh, l'angle qu'il met. Et ça fait donc 1-0. Ah, c'est dur là, 5ème minute, on se prend déjà un but. J'ai l'impression que l'Argentine ne sont pas là pour enfiler des perles. Hein. Ok. On va repasser derrière, tranquille. Là. Ok. On la redonne, on prend la profondeur. Allez, pourquoi pas l'égalisation. J'ai un peu poussé un peu trop mon ballon, on la redonne. Ah, dommage. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Là, on gagne ce match contre l'Argentine, on est plutôt bien. Là, on n'est pas plutôt bien. Là, je crois que c'est mort. 2-0. J'avais quand même un petit espoir histoire de revenir au score, mais bon. Voilà, j'ai dit ça et derrière, bah. Il tue un peu le petit espoir que j'avais, hein. Il est sympa le ballon, j'aime bien. Oh la bonne passe. Oh là là. On n'est pas bien là. Oh non. Il va être à bout portant. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Ah oui, il y est. Bon, bah 3-0, c'est même pas la mi-temps. Zéro tir pour nous. 5 tirs, 4 tirs cadrés pour l'Argentine. Ok. Ok. Ah voilà. Voilà. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Herrera pour réduire le score. Ça fait 3-1. Allez, belle action. Allez, belle action. Cette perte de balle, elle leur coûte cher.
Après, ça va très vite. Hein. Le défenseur argentin, là, un petit peu. Un peu surpris, j'ai l'impression. 3-1. On peut faire une remontée. Hein. 3-3, ça serait pas mal. Hein. Non, si je mets trop fort ce ballon, ce sera sans danger pour le gardien. Je pense qu'il était hors-jeu aussi, non? Par contre, la relance du gardien aussi, ça, faut qu'on en parle. Hein. On est déjà pas bien, le gardien qui perd pas de temps, il relance alors que j'ai rien demandé du tout. Poursuit son action. Attention, petit crochet. Le bon ballon donné par oh là là, derrière ça repart en contre. Tout seul face au gardien. Attention, crochet, ok. C'est dangereux, ça. Non, là aussi c'est un long ballon sur moi alors que je sais pas, j'ai pas compris. Eh ouais. On fait n'importe quoi sur les relances. Il fait un long ballon alors qu'il y avait un coéquipier qui était au milieu de terrain. C'est dommage. Il y a pas mal d'erreurs de longues passes comme ça là. Ouais, la qualité des passes rend le jeu extrêmement fluide, c'est agréable. Hop là, la petite interception. Allez, faut partir en profondeur mais il y a personne qui part en. Allez, 9 minutes, il reste. Fallait partir avant. Dommage. Non, c'est un petit peu. Là, mais regardez ce qu'ils font. Pourquoi? Je comprends pas. Bon, bah on va rentrer dans le temps additionnel. C'est dommage. Je pense qu'on aurait pu remarquer au moins deux ou peut-être. Ouais, deux buts. Je dis pas qu'on aurait pu remonter au score parce que bon, ça reste quand même l'Argentine, mais j'ai pas compris. On a eu pas mal de longs ballons là. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Let's go contre l'Équateur. Bon, je vous ai coupé quand même un petit peu dans les menus parce que comment il y a eu le chargement, vous savez, de la nouvelle saison. Bon, je vous avoue que là, ça a mis un peu de temps. Ça a pris, je crois, 3-4 minutes avant de créer, du coup, la nouvelle saison. L'Équateur, du coup, qui a pris 0 points et qui ont pris pas mal de buts. Hein. Également, donc, bon, faut pas qu'on se loupe. Et là, cette fois-ci, la compo a marché, je crois. Let's go. Et on jouera à l'extérieur. Et d'ailleurs, j'ai pas vu combien ils avaient en différence de but la Colombie, parce que là aussi, ça va se jouer du coup aux différences de but, hein, je pense. On va voir, là. Ok. Je vais essayer de tenter un centre. Oh, il peut centrer. Oui ! Let's go, c'est passé ! J'avais peur que mon centre, il aille sur le gardien, mais je me suis dit, on va centrer un petit peu avant. C'est peut-être que le gardien il n'aura pas le temps d'anticiper. Bon, déjà il est bien frappé. Allez 1-0 là, la cinquième minute, ça commence bien. Allez, j'essaie de redescendre pas mal. Histoire de remonter le ballon ensuite. Pas mal ça. Bon, ça marchera pas deux fois. Cette fois-ci, il était un petit peu en retard derrière. Le stade n'est pas complet hein. Le stade n'est pas complet pour voir ce match. Il y a des places vides. Hein. Allez. Ouais, bien tiré ce corner. D'ailleurs, là, pour tous ceux qui sont actuellement là sur la vidéo, là, mettez-moi dans les commentaires second poteau Pavard pour le but de tout à l'heure. On va voir si vous allez être nombreux à le mettre. Bien joué. La frappe. Ouh. Ah non mais là vous me mettez pas second poteau Pavard là, vous me mettez je sais pas moi la lucarne, la lulu, la lunette, je sais pas moi la lulu. Oh ce but. Tranquillement attendu l'ouverture et après la frappée magnifique très puissante. Pas sûr même que si le gardien avait été sur la trajectoire. Oh ce but. Oh ce but là, pleine lucarne. Oh, elle était tellement bien enroulée là, mais en plus elle est vraiment bien placée ils vont jouer la touche. Dans la lucarne. Rodon. Il va y aller. Le gardien qui repousse. On a tenté croisé, on a tenté la frappe croisée, j'étais un peu loin quand même, hein. J'étais un peu loin. La second poteau, faut partir là. Voilà, c'est bien, faut frapper. Ballon perdu. Allez, voilà le petit doublé.
Allez, faut en remettre un autre. Hein. Faut en remettre un autre parce que en défense de but, je sais pas combien on est. Et... cette fois-ci, on l'a pas enroulé. On l'a frappé en force croisée. J'aimerais bien aller chercher ce petit trophée avec le Mexique là. On est jeune, hein. On est jeune. Hein. C'est vrai que il y en a beaucoup d'ailleurs qui m'ont demandé comment je faisais pour avoir autant de général à cet âge-là. En fait, faut faire les entraînements. Vous faites les entraînements pour avoir la note de A et ensuite vous simulez. Mais en fait, vous planifiez plusieurs entraînements. En fait, vous ne faites pas tout le temps les mêmes. Vous pouvez faire tout le temps les mêmes, mais une fois que vous voyez que vous progressez beaucoup moins vite dans les entraînements, il faut que vous fassiez, par exemple, les entraînements en défense. Même si vous êtes un attaquant, vous devez faire les trucs en défense parce que sinon, votre joueur ne va pas monter en général. Et de toute façon, la défense, ça, vous en avez besoin également hein, pour intercepter les ballons, etc. Donc voilà, tout simplement. Vous en planifiez 3, vous savez, vous pouvez planifier des entraînements, je crois, vous pouvez en planifier. Mais ouais, pas mal. Moi, je sais, j'en ai 3 de planifier. Donc après, c'est à vous de choisir sur ceux que vous avez planifié, ceux que vous voulez faire. Et voilà, tout simplement. 2 minutes, on peut aller chercher le triplé et le quatrième but, peut-être là-dessus. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va centrer tout de suite. Je sais pas si c'est une bonne idée, non. De toute façon, il pouvait faire que ça, je pense. Et ça va être terminé. Victoire 3-0. Et voyons voir un petit peu. Je pense qu'au classement, on va repasser deuxième. Hein. Du coup, on continue. On passe en quart de finale. On joue contre le Chili. Donc ça sera pour la deuxième partie dans un prochain épisode. On peut voir les autres rencontres. Mais du coup, comme ça, on partira pour le quart de finale. Et si on se fait éliminer avant la finale, on aura une autre finale à jouer puisqu'on jouera la Super Cup contre le Bayern. Pas du tout, c'est pas du tout ici que je voulais aller. Calendrier, bien sûr. Et on a la Super Cup à jouer contre le Bayern. Donc voilà. Donc on se fera ça, je pense. Donc je vous dis à très très vite pour l'épisode 42, il me semble, je suis pas sûr, pour la suite de cette Copa avec le Mexique. À très vite, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire, la pleine Lulu, hein, la Lulu, second poteau pavard, enfin ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.